Salut à toutes et salut à tous, c'est Landmazar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série de vidéos qui s'appelle Qui est-il, qui est-elle? Et aujourd'hui le personnage à découvrir est un homme. Et pour cette fois-ci, c'est assez facile. Je pense d'une, par rapport à la première photo, vous avez tous découvert de qui il s'agissait. Et oui, il s'agit de Bill Gates, le fameux, la légende de Microsoft, Bill Gates. Alors avant de vous parler de son parcours et de son histoire, Bill Gates est alors d'aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète, avec une fortune qui s'estime quand même, Bill, si tu peux m'en donner un petit peu, 79 milliards de dollars. Origine de sa fortune, bien entendu, c'est Microsoft, c'est américain. Bon, après, voilà, je vous ai mis un petit tableau fait par Forbes, etc., qui est un magazine assez connu. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver, on va dire, de manière assez facile sur Internet. Il faut savoir que les Américains, que ce soit même les magazines, parlent assez facilement de la fortune. En règle générale, contrairement à nous Français, qu'on est un petit peu coincés sur le sujet. Alors, pour parler de l'histoire de notre petit Bill, vous le voyez sur la photo, il est assez jeune, assez cocasse. Notre petit Bill s'appelle en réalité William Henry Bill Gates III. Alors, vous l'avez compris, Bill Gates ne vient pas, on va dire, du ghetto américain. Son père, William Henry Gates Sr., est avocat d'affaires et sa mère, Marie Gates, est professeure et présidente de la direction de quelques entreprises de banque. Alors, le petit coup de génie de notre petit Bill commence en 1975, alors qu'il a à peine 20 ans. Avec son ami Paul Allen, il monte la société de logiciels micro-informatique Microsoft, qui deviendra par la suite Microsoft, tout simplement. Pourquoi Microsoft ? Vous allez le comprendre par la suite, et voilà, c'est ça qui fait la fortune, on va dire, de Bill Gates. Alors, le goût de l'informatique par Bill Gates commence très très jeune, alors qu'il est à peine âgé, on va dire, de 10-11 ans. Ça commence à l'école, dans une école de Seattle, on va dire un petit peu huppé, pour dire les choses. Cette école dispose d'un seul ordinateur, parce qu'avant Bill Gates, il existait des ordinateurs qui étaient très gros, très dégueulasses et très basiques, on va dire. L'école dispose d'un, ce qu'on appelle un PDP-10. Voici la photo sous vos yeux. C'est l'ordinateur, c'est une montagne quoi. Il réalise avec Paul Allen, donc l'ami avec qui il va construire Microsoft plus tard, son premier programme informatique. Ce que les Américains appellent chez eux le Tic-Tac-Too. Alors devinez ce que c'est le Tic-Tac-Too. C'est en fait, c'est le morpion, tout simplement. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal en fait pour l'époque. Parce que voilà, il n'y a pas réellement de jeu. Il faut bien se mettre ça dans la tête que... Enfin, il y a la base de l'informatique, surtout utilisée par l'armée, utilisée par la NASA, mais c'est vraiment à titre privé. Ça, faut bien comprendre, c'est à titre privé. Et voilà, en fait, quelques temps après, il continue à l'âge de 13 ans avec son ami Paul Allen à construire des petits langages informatiques, des petites choses comme ça. Et en 73, en fait, Gates dit « fuck les études ». Donc, il arrête ses études et là, il abandonne en fait ses études pour qu'on se consacre uniquement à la programmation informatique. Alors, si vous avez bien suivi l'histoire, vous avez compris. Donc, en 1975 et avec son ami Paul Allen, Bill Gates crée Microsoft. En quoi consiste Microsoft pour ceux qui... Enfin, qui s'en doutent, mais qui ne savent pas réellement le détail de pourquoi, pourquoi Microsoft a marché autant. Tout simplement, ils inventent en fait ce qui sera le premier langage de programmation à pouvoir fonctionner sur un micro-ordinateur commercial. Je pense que vous avez compris. Ça veut dire en fait, d'un ordinateur comme le PD-10 ou des choses extrêmement grosses, etc. Et puis surtout en fait réservées dans le privé, donc soit pour des grosses entreprises, ça veut dire que c'était même pas... possible pour des petites entreprises, mais vraiment des énormes entreprises, pour l'armée, pour la NASA, etc. Bill Gates, en fait, lance un langage de programmation qui peut fonctionner sur un micro-ordinateur. Ça veut dire qu'en fait, il invente l'ordinateur avec, par la suite, des systèmes d'exploitation et des choses comme ça, mais il lance l'ordinateur que, les gens peuvent avoir chez eux. Et voilà pourquoi, Bill Gates, du jour au lendemain, est passé d'ombre à lumière, tout simplement. Alors, il y a eu des partenariats très intéressants pour Bill Gates et pour Microsoft, notamment celui de 1981 avec IBM. Alors, moi, pour le coup, un de mes premiers ordinateurs était un IBM. D'aujourd'hui, IBM, à part pour les entreprises, etc., qui achètent encore beaucoup IBM,
Bon, c'est vrai que ça ne nous vient pas forcément à l'esprit d'acheter un IBM, vous voyez ce que je veux dire? Mais à l'époque, voilà, ce partenariat-là apporte quoi? Eh bien, vraiment une démocratisation de l'ordinateur, on va dire, pour le grand public, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça apporte ça. Bon, après, bien entendu, Microsoft, faut bien imaginer qu'au tout début, il n'y avait pas de système d'exploitation, parce que déjà, c'est un langage informatique qui est un petit peu particulier. Et puis après, avec la recherche dans ce domaine, etc., eh bien, voilà, sort, je crois que le premier système d'exploitation, c'est Windows 95. Bon, même si Atari avait déjà voilà, lancé plusieurs choses, etc., un petit peu dans ce style-là, mais le premier système d'exploitation tout public et qui marchera de toute manière, c'est Windows 95. Et à partir de cette date-ci, il y a carrément un virage dans ce qu'on peut appeler voilà, un virage dans l'informatique. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu Paul Allen ou Bill Gates. Je ne dis pas que les ordinateurs grand public n'existeraient pas. Mais je pense quand même qu'il y aurait eu un frein dans notre évolution, que ce soit dans l'informatique, dans les téléphones portables, etc. Parce que vous permettez à Monsieur Tout-le-Monde déjà avoir la rapidité de la connaissance, de l'information, de plein de choses, de la création, sinon je serais peut-être même pas là en train de vous faire cette vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Même quelqu'un qui a créé Facebook, par exemple, n'aurait peut-être même pas créé Facebook. Enfin, il y a plein de choses, je pense. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'histoire de tout ça, mais je pense qu'il y aurait un petit frein dans l'évolution actuelle en tout cas. Peut-on parler de concurrent direct à Microsoft, même encore à l'heure d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Même si Apple développe son truc dans son coin, etc., Apple, certes, est un concurrent pour Microsoft, mais est-ce que Apple est réellement un concurrent direct? Je ne pense pas. Et je ne pense pas que, on va dire, la fortune de Microsoft ou de Bill Gates en particulier est prêt, on va dire, de s'écrouler. Enfin, ils sont tellement, vous voyez ce que je veux dire, ils sont un petit peu le soleil et Apple est tellement en dessous. Enfin, même dans le grand public, même par rapport à l'attractivité du prix, même par rapport à plein de choses, que Apple est, même à l'heure d'aujourd'hui, carrément en dessous. Et bon, on peut pas parler de Linux, parce que Linux est fait par, voilà, par des particuliers qui ont lancé ça. Et Linux est complètement gratuit. Mais en termes, voilà, d'innovation, etc., ben, même quand ils sortent des merdes comme Windows 8 et peut-être Windows 10, enfin, je l'ai toujours pas testé. Mais voilà, Microsoft, c'est même plus une longueur d'avance, vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, il y a tellement de choses qui leur appartiennent, les systèmes d'exploitation, les traitements de texte, certains jeux. Bon, ils ont Xbox, etc. Ça, c'est encore autre chose. Il y a tellement de choses, ils sont tellement en avance que voilà, je pense qu'ils n'ont pas trop à s'inquiéter encore pendant 10-20 ans. Sincèrement, je pense pas. Et puis, faut savoir qu'en 1986, Microsoft fait son entrée en bourse. Alors forcément, il y a une petite citation comme quoi les investisseurs l'accueillent avec enthousiasme. Ah bah tu m'étonnes mon cochon. Bill Gates devient ce jour même, ça veut dire il rentre en bourse, il faut savoir que la bourse ouvre à telle heure et ferme à telle heure. Ça veut dire que la nuit, voilà, vous voyez, ça ferme et ça ouvre à telle heure. Et bah Bill Gates devient milliardaire ce jour même, ça veut dire Microsoft fait l'entrée en bourse, le jour même il devient archi milliardaire. Et dernière chose pour conclure, même si notre petit Bill est devenu archi-milliardaire, pété de thunes et qu'il pèse dans le rap game, et qu'il s'achète, faut le dire, un petit bonus comme ça, une petite maison à 113 millions de dollars, eh ben ça n'empêche pas que Bill Gates donne énormément de sa fortune pour des œuvres caritatives, notamment dans sa fondation donc qu'il a créée avec sa femme qui s'appelle Fondation Bill et Melinda Gates, ou qu'il a déjà donné par exemple 25 milliards de dollars pour vacciner 55 millions d'enfants dans le monde. Donc ça. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, Bill Gates, et ce truc, il est pété de thunes, etc., mais donne énormément de sa fortune, on va dire, bah, tout simplement, d'après sa vision, bah, c'est pour aider le monde aussi, que ça soit dans le médical, et puis pas que ça aussi, dans, voilà, aider le monde, faire évoluer le monde, et ça, je trouve ça vraiment très bien de sa part. Il a notamment annoncé, c'est les choses, parce que Bill Gates commence à se faire vieux aussi, il a annoncé qu'il donnerait 95% de sa fortune justement à sa fondation. Il faut savoir qu'à sa fondation à l'heure d'aujourd'hui, a quand même un capital qui s'estime à 102, 103 milliards de dollars. Et voilà, donc pour ça, je pense qu'on peut leur tirer, on peut lui tirer notre chapeau et que bah, je pense qu'il y aurait d'autres milliardaires, etc., qui pourraient en donner un petit peu trop au lieu de s'acheter des bagnoles, que ça sert pas à grand-chose, vous voyez ce que je veux dire. Donc chapeau Bill Gates, moi j'espère que cette vidéo est sur cet homme quand même qui est bah, la légende pour le coup de l'informatique avec le grand I. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à checker mes autres vidéos. Je vous fais un gros big up et je vous dis à la prochaine fois. Allez, tchou 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 tchou, les amis.